quelques points chauds qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Il faut dire que depuis ce maintenant, il y a un pile levé campé, un pile turbulence, un pile nouveau développement dans le pays d'Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, dernier contact que nous prenons avec le correspondant de Port-au-Prince, fait qu'on est situation calme, mais en pile yeux fixé sous pénitencier national là, qui lui-même, depuis hier soir, gang armé, moun n'y a pas identifié, mais t'as entré, et gang pile prisonnier qui jodia en cavale, ça que j'ai dit en français, qui dehors, qui nan la. On dit que ça a commencé depuis jeudi. Jeudi, le te gagné Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui en général compte présenter comme leader G9, famille et allié Mayen tout. Mais qui qu'on y a gagné un autre regroupement qui se vive ensemble, côté que le fait qu'on est que, depuis la première conférence de presse là, que c'est tout groupe armé, il barre les têtes, les gangs, les groupes armés. Qui y a même des mouvements ça et joue ça après le gagner et en pile et tête chargée dans la capitale la Port-au-Prince côté que t'es gagné l'école qui t'est obligé laguer et moun prend balle et la donne tout gagne 4 policiers qui perdu la vie et gagne 2 commissariats qui y a même prend du feu et leur allant l'hôpital général nous t'ai voyé correspondant dans Port-au-Prince pas ça de vous mais qui t'allait dans l'hôpital général, eh bien, l'hôpital général, c'est une catastrophe. Côté que tu as plus de 15 personnes qui prend balle, et docteur eux-mêmes, vu la situation, obligé de courir, quitter l'hôpital là, parce que tu as pile tiré dans toute zone, non, nous, pour les gens qui connaissent Port-au-Prince, toute zone, faculté de droit, l'hôpital général, toute zone, ça y est. Et Jimmy Cherizier était dans. Conférence pour la presse, il a dit que, eh bien, il prend responsabilité pour tout ce qui a passé dans la journée. Donc, la journée, il y a un bilan qui est un bilan tête chargée. 4 policiers perdu la vie, il y a plusieurs blessés, il y a un pile institution et l'État, il y a même qui vandalisé ou bien qui brûlé, notamment. Et gagner tout au AVCT dans la zone tabac lui-même, tout qui est pillé et boulé. Donc, ça c'était dans jeudi. Dans vendredi même, c'était vendredi encore, et Jimmy Cherizier a rencontré l'autre fois encore avec la presse. Et toujours sous nom, et ça y aurait le mouvement, nos nouveaux regroupements qui se vivent ensemble. Et Jimmy Cherizier a présenté condoléances. Il dit que eh bien, c'est lui présenter condoléances par les gens et police, famille policier qui victime yo. Il dit que dans le mouvement ça yo toujours gagné et dommage collatéral. Donc, mais il n'y a pas de problème ni avec la population, ni avec la police. Et faut dire tout pendant ce temps, dans l'aéroport même, depuis jeudi, l'aéroport en pile vol est annulé parce que l'aéroport a été subi. Et en pile coup de balle et donc aéroport était obligé et fermé gagné et vol domestique qui était annulé vol international yo cap saut États-Unis pour entrer en Haïti yo annulé ça cap quitter Haïti pour aller aux États-Unis yo tout est annulé ça c'est dans vendredi et nous disons que conférence de presse avec encore Jimmy Cherizier et Barbecue qui lui-même t'est rencontré et avec la presse. Mais pendant ce temps, parallèlement, dans Kenya même, dans la capitale Kenya, Nairobi, eh bien, c'était signature, accord de sécurité, ou bien accord de réciprocité, eh bien, qui était fait tout dans Nairobi, dans le pays Kenya, et en présence du Premier ministre Ariel Henry. Après le Premier ministre Ariel Henry, lui-même, avant d'arriver à Nairobi, dans Kenya, il a participé dans le 46e sommet. CARICOM, et c'est là tout que le défend gros déclaration qui t'a provoqué en pile réaction. C'est là ça a dit que l'élection a déroulé dans le pays a pas plus tard que 31 août 2025. Et il y a un pile monde qui t'a en pile réaction, un pile monde dans la classe politique là qui pensait que
et par exemple, il y a un petit Dessalines, monsieur Moïse Jean-Charles qui dit son déclaration de guerre. Il y a un monde qui croit tout que, eh ben, en général, c'est conseil électoral qui toujours bail date élection, c'est pas un premier ministre. Donc, en pile réaction t'est faite et sous déclaration ça. Donc, pendant que tout ça a fait dans le pays, le premier ministre Ariel lui-même, Ariel Henry, en dehors de pays, à côté que l'a participé dans plusieurs événements, notamment 46e sommet CARICOM, qui t'a déroulé dans Georgetown, dans Guyana, et après, elle t'a promis de tête pour Nairobi, dans Kenya, côté que signature, ça t'a pas le fait, et tout t'a participé dans un sommet sous environnement. Et puis, samedi, c'était un gros événement, quoi, son nouveau développement dans le levé campé Gangio, c'était pénitencier national. Depuis vers 7, 8 heures, et bien, pénitencier national, c'était attaque qui fait sur pénitencier national. Et d'après dernière nouvelle, autour, dans la nuit pour ouvert samedi, dans la nuit samedi pour ouvert dimanche, et bien, et quoi des bouquets, prison quoi des bouquets à tout, c'est même pareillement. Et le matin là, nous avons un correspondant dans Port-au-Prince qui est même sous pied de guerre, il est même allé chercher information. Et ça nous donne comme information, c'est que il y a un officiel, entre guillemets, qui t'a fait, qui t'a compté. Il a parlé de 4 000 personnes, son population. Et carcéral qui très haut, 4000 monde dans le pénitentiaire, et c'est à 99 qui étaient. C'est des chiffres qui étaient pour confirmer. Nous-mêmes, nous essayons d'entrer en contact avec l'autorité et l'administration police nationale là, pour nous donner des informations et confirmer tout. Et bien, nous n'avons pas réussi à joindre. Nous avons joué un responsable qui dit que et bien, tant de pour être capable de faire tout bilan, pour être capable de parler avec la presse, mais jusqu'à présent, nous pouvons gagner une note officielle de l'État. Sous ça qui passe dans la pénitentiaire nationale là, et ça qui passe dans la prison pour des bouquets. Mais ça nous-mêmes, comme journalistes, correspondants nous, qui sous place au Capabwe, nous avons rencontré avec des gens qui prend balle, il y a des gens qui prend balle, qui a expliqué que c'est vers 8 heures que lui-même prend balle. Les gens qui étaient dans la pénitentiaire, c'est des gens qui ou bien malades, ou bien qui prend balle, ou bien encore un autre groupe très important, c'est les Colombiens. Il y a plusieurs Colombiens qui font déclaration pour dire que eux-mêmes, côté eux là, ils sont innocents. C'est City où nous songez compagnie ça qui est en Floride, qui est lié avec l'assassinat du président Jovenel Moïse là, qui dit que eux-mêmes, ils étaient venus, City où ils prennent pour venir travailler, et puis c'est un cousin non piège ils prennent et eux-mêmes c'est innocent. Et donc ils ont fait une déclaration, Mounsa et eux-mêmes, ils ne peuvent pas quitter prison, ils sont pratiquement libres. Ils n'ont pas quitté prison, mais ils n'ont pas quitté prison. Ou bien parce que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont innocents, ils ne peuvent pas quitter. Ou bien, il est difficile pour eux de quitter parce que ils sont visibles, parce que c'est des Colombiens de tête très claire. Donc, tout ça fait que. Et puis, ça nous constate tout. Et non seulement tout près et pénitentiaire nationale, il y a des gens capables de pile cadavre qui dans la rue, qui ont une trace de balles. Pas seulement et bon pénitentiaire, mais plusieurs côtés dans la capitale, dans la zone ça yo, et bien yo fait nous connaître, correspondant nous fait nous connaître que yo wè cadavre un peu partout, cadavre qui descend qui a coulé là-dedans, pas seulement bon côté et bon côté pénitentiaire. Donc pénitentiaire était une zone d'information qui est très importante parce que et d'après information que Mounsa qui t'a fait des comptes sous prisonniers, il dit nous que les dynamiques correspondent à nous, Massado Ville, mais que normalement, le pénitentiaire national a 4000 prisonniers, mais l'aile comptée, c'est 99 que je joins. Et 99, ça y est, c'est moun, ou bien qui malade, ou bien qui ne font pas, ou bien monsieur et Colombien. Donc, situation, c'est consalier. On nous fait un coup d'œil qu'on y a sous l'aéroport international. Nous te connaissons que depuis notre premier levé campé, à côté de gain zam coup de zam qui était tiré dans l'aéroport, même un avion qui était prend balle, et ben vol était campé. Mais d'après dernier contact que nous prend avec Port-au-Prince, notamment avec correspondant Port-au-Prince Yves Manuel, t'a semblé que activité reprend. Gagné l'armée d'après correspondant nous, la police est montée la garde et puis gagné l'armée tout
l'armée d'Haïti, membre l'armée d'Haïti qui vient poter coller dans et cadrier aéroport. Donc dans moment n'a parlé là, et ben aéroport reprendre activité yo. Par contre si yo reprendre activité yo totalement, mais d'après ça correspondant nous et Yves Manuel qui dit nous consacrer rumeur té gon rumeur dans la rue comme quoi yo té vandalisé airport là, mais non, et il dit nous ça pas fait. Il y a plusieurs et concessionnaires tout qui victime de zak pillage, gagnent tout market qui victime de zak pillage et puis de vandalisme, et puis grand pile institution l'État qui victime tout, notamment OAVCT, dans tabac lui-même qui victime de tout ça qui passe là. Donc grand pile et faut dire tout que ça aurait les info intox, ça grand pile mauvaise nouvelle qui a circulé dans la rue, mais ça nous-mêmes nous capables tous ces des bagages que nous-mêmes nous vérifier correspondant nous sous place, vérifier que y aller dans pénitentiaire national là directement, yo parler avec nous. Donc ça qui manque nous, c'est quelques réactions que nous cherché joindre. Nous besoin et réaction par exemple ambassade américaine ou bien département d'État et avec membres corps groupe yo, éventuellement Kenya tout qui gagne pour lui-même pour venir diriger en force cap bien pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc en gros c'est comme ça est, n'a gagne pita pour nous venir avec yon programme côté que nous n'a capable voir image, n'a capable voir image pénitentiaire nationale là avec toute l'autre et ça qui gagne comme information cadavre et autres pour nous capable gagne yon idée de ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc jusqu'à présent, c'est un capital qui toujours tendu avec toute trace dernier développement yo, trace balle que ou capable voir et cadavre qui dans la rue que poko jam jusqu'à présent et levé moun qui prend balle. Et même dans la pénitentiaire nationale, tout le monde qui prend balle, qui peut jusqu'à présent capable de joindre soin. Et puis l'hôpital général, tout yon centre d'information, centre de curiosité en termes d'information, parce que gagne docteur qui était obligé eux-mêmes laguer pied parce que la situation était compliquée. Et d'après le correspondant de Port-au-Prince, toujours gagne détonation qui a fait. Et un peu partout, et Jimmy Cherizier alias Barbecue lui-même, il fait connaître que c'est tout monsieur yo qui tout chef gang armé, chef, il pas dit gang armé, mais non, il dit chef groupe armé yo qui mettait tête ensemble dans ça relé vivre ensemble. Et objectif yo c'est fait, et tant qu'on appelle que monsieur Cherizier était fait que pour il était lancé un appel par policier yo, pour yo même pour ka aider et arrêter Ariel Henry. Pendant ce temps, le Premier ministre Ariel Henry lui-même lit en dehors PIA et li gen pour retourner très bientôt parce que il gen un autre événement pour participer là-dedans. Donc n'a suivre pour VOA Créole comme d'habitude à porter information qui pour information qui vérifié, information de bonne source, information officielle que ou capable faire confiance. Donc jeudi à c'est dimanche 3 mars 2024. Merci d'être que ou brancher sur toute plateforme nous capoter toute information que nous gagnons pour ce nouveau développement qui gagne dans le pays d'Haïti. Yo l'autre fois encore pays d'Haïti sous radar et presse internationale là côté grand pile article cap sorti sous pays d'Haïti, notamment après ça qui passé dans pénitentiaire national. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous saluons tout le monde qui était branché dans moment ça. Merci d'être que nous fait VOA Créole confiance en termes d'information. Restez faire confiance, restez branché et n'a bien pour venir avec l'autre bulletin, l'autre live, l'autre programme spécial sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Moi c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir et à plus tard.